Attention, ça va briller. Et pas de soucis, vous. C'est le casque qui fait ça? Je sais pas ce que c'est. Réfléchis, non? Je pensais que tu réfléchis trop, c'est ça? T'es dégarni de tous les côtés. Bah oui. C'est pas parce qu'il y a de la neige sur le toit qu'il n'y a pas de feu dans la cheminée. On va ressortir ici. Du coup, je vais te laisser, Jacques, ça ne te dérange pas. Je vais te la laisser dans l'auto. Ouais. Merci.
Yeah.
faire trop bien après, il te recommence. Dis quoi? Faut pas faire trop bien après, on te recommence. C'est là que c'est le plus déstabilisant. Maintenant t'as confiance, c'est bon. Écorce bien profonde, tu vois. Yeah.
pas enlever le petit truc là. Tu montes pas enlever le petit, la petite branche. Je vais voir, ça se trouve, j'ai carrément la bénie là. Tu veux la bénie? Ouais, elle veut faire la première et puis. Ouais, d'accord. C'est l'autre qui veut te faire chier derrière, non? Alors, en fait, je peux pas couper celle-là parce que on va s'appuyer là, puis justement, ouais. Soit elle passe, soit je reprends. Ouais. Moi, je pense que je vais la tenter là-bas. Je vais voir de l'autre côté. Oh, tu sais, tu me l'amorces. Où je te balance celle-là, hein. Non, mais t'amorces la petite et puis moi je le ferai. Comme tu veux. Tu fais bien. Ouais, c'est pas, ça va. Allez, je vais t'amorcer. Et puis moi, après, je la coule là. La petite branche de chêne, à mon avis, elle ne va pas rester. Alors, risque pas de tomber dessus quand tu coupes. C'est là, Jacques. Oui. Mais tu fais gaffe, si elle accroche un peu celui-là, elle peut se déchirer et revenir un peu là. Ouais, d'accord. Mais quand tu coupes, tu risques rien. Là, puis je cours à peu près à la vitesse d'un chevreuil, donc. Comment? Je cours à peu près à la vitesse d'un chevreuil. Alors, je vais pouvoir me sauver. Un chevreuil qui a toutes les pattes ou pas? Un vieux chevreuil. Alors Sébastien, on t'a vu faire un drôle de travail ce matin. Tu peux nous en dire plus? C'est un métier que j'ai choisi parce que justement il est peu commun. Tu peux nous dire en quoi ça consiste exactement? Alors ça consiste justement à préserver les bois, à ce qu'ils n'éclatent pas quand ils tombent au sol. Des bois fourchus comme ça, quand ils ont l'élan et que les fourches tous se mettent en contact au sol, la grume en elle-même éclate. Donc je monte pour enlever un morceau et comme ça, ça évite de la perte et du gâchis. On a vu, c'était des gros chênes là. Des bois qui ont une grosse valeur. En général. On fait aussi quelques hêtres. Fait deux, trois beaux sujets aussi. Après, ils ont un peu moins de valeur, donc c'est sûr qu'on en fait un peu moins. Et tu fais ça depuis combien de temps alors? Ça fait une quinzaine d'années maintenant. D'accord. Ouais, depuis mes débuts dans le milieu professionnel. Et tu travailles dans quel coin, quelle région? Le Doubs en général. Après, ça m'arrive un peu de m'écarter, donc pas beaucoup plus. Le territoire de Belfort, un peu l'Alsace.
Tu es venu à faire ce métier pour quelle raison? C'est quoi la pourquoi la forêt pour... Disons que de génération en génération, on a des familles de forestiers. J'ai trempé dans le D'accord. milieu avec mon papa qui était forestier aussi par le fait, D'accord. très jeune. Après, j'ai choisi ma spécialité OK. et me voilà comme ça aujourd'hui. Donc ouais, donc c'est un métier qui t'intéresse Ouais, quoi, tout il à y a fait, pas ouais. Non, ouais, puis c'est OK. important de travailler dans le milieu forestier aujourd'hui. C'est quand même un D'accord. milieu qui est important, Ouais. donc il ne faut pas négliger. Comment tu vois la forêt, toi, dans les 10, 20, 30 années à venir, C'est là? plus le souci climatique Ouais. qui me ferait peur au niveau de la forêt, parce qu'on a vu qu'en 2 ans, avec les dernières sécheresses pardon, qu'on a eues, on s'est bien rendu compte que la forêt avait dégusté, pour parler comme ça. Donc, ouais, il ne faudrait pas qu'il y ait plusieurs sécheresses d'affilée pour que D'accord. la forêt se porte bien. Après, on n'a pas de soucis autres que le climat. D'accord. T'as un boulot qui te plaît et t'as du boulot dans ce que tu Ouais, fais, quoi. il y Ok. a du boulot, ouais, Très bien. exactement. Ouais. Ok. Bah écoute, je te remercie d'avoir bien voulu te laisser filmer. C'est moi qui vous remercie et puis Et puis je te dis à bientôt à une alors. prochaine. Ciao. Allez.